Madagascar, jour 13. Le parc national d'Andasibe. Là, maintenant, on est en train de filmer Oni. J'apprends à Lucie à utiliser ma caméra. J'ai fini, je réappuie sur le bouton. C'est Lucie qui filme. Bonjour Lucie. Bonjour. Soyez la bienvenue dans notre réserve. Merci. Merci. Est-ce que vous les voyez juste au-dessus de notre tête? Le voilà, l'Indri Indri, le plus grand de tous les lémuriens. Son nom en malgache signifie littéralement fils du père. Plus grand lémurien de Madagascar, avec un bout de queue de 3 à 4 cm seulement qui va. L'adulte pèse entre 8 à 12 kg. Et sa taille arrive jusqu'à 80 cm, la tête jusqu'au pied. Il fait même plus grand. Depuis 2012, il est sur la liste des 25 espèces de primates les plus menacées au monde. Et quand il saute verticalement. Il va sauter. Oh, ops. Ça c'est bien. Son régime alimentaire est composé de 32 espèces de feuilles différentes, ce qui rend son élevage en captivité impossible. Vous les voyez? Notre lémurien du bambou ici, le mangeur du bambou. Oh. Ah oui. C'est le bébé du lémurien du bambou. Ah, il a aussi des gros caméléons. Vous le voyez? Ouais. Les gros, les gens, les gros.
un lémurien et un caméléon pour un même prix. Nous avons eu la chance de voir plusieurs bébés Sifaka à Tiadel. Mit Baby? Not Baby. Aber einer ist mit Baby. C'était très bien, Lucie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Un grand merci à Guillaume Pousse, le manager d'Espace Mada qui a organisé le voyage, et à Oni, notre chauffeur pendant 2 semaines. 80% de la faune et de la flore est endémique, ce qui signifie qu'ils ne vivent en liberté qu'à Madagascar. Les protéger et encourager le tourisme est le challenge de ce pays, le 5e plus pauvre du monde.